Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir qu'ils nous rencontrent. Je dis à qui c'est lundi 3 avril pour nous poursuivre avec l'étude École du sabbat semaine. Nous avons l'étude numéro 2 semaine, ça, un moment décisif, ce thème pour l'étude semaine. Pour nous commencer, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous sentons nous reconnaissants envers nous-mêmes pour les multiples bienfaits que nous manifestons dans la vie. Nous. Merci parce que chaque jour, vous voyez plein de l'instruction pour nous. Tandis que je vous dis, nous retournons encore pour nous capables poursuivre avec étude parole. Nous demandons que vous capables éclairer nous davantage, pardonner péché nous. Et bien que nous comprenions de mieux en mieux parole, afin que nous soyons capables d'obéir ensemble avec vous. Et que nous vivions qui plaît à vous-même. Bénis nous, Père des cieux, dirigez-nous, sauvez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je remercie aux amis pour la qualité d'effort que vous même consenti chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu. Et pas oublier chaque fois fini étudier, moi toujours prendre plaisir encourager vous pour partager étudier avec l'autre monde pour faciliter plus monde capable arriver étudier la parole de Dieu à travers l'étude de l'école du sabbat. Si pas de quoi abonner, m'a toujours profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même genre ensemble avec vous. Je nous connais, nous avons l'étude numéro 2, un moment décisif, verset à mémoriser. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Apocalypse, chapitre 14, versets 14 et 15, qui s'est exprimé dans l'étude semaine. Jeudi, c'est lundi 3 avril, le retour du Fils de l'homme. C'est thème que nous parlons ensemble, jeudi, le retour du Fils de l'homme. L'étude jeudi va montrer nous qui est qui Fils l'homme, petit l'homme. Nous voyons qui sa expression, ça le même livre le dit, dans l'étude jeudi. Apocalypse chapitre 14, gain la dernière texte clé concernant le message dernier jour que le Seigneur a été adressé ensemble avec le peuple et avec le monde entier. Au centre de sa nouvelle retour Jésus, nous jouons un accomplissement promesse qu'il t'a fait nous. Promesse que Jésus t'a fait nous dans Marc chapitre 14, verset 62. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Ok, c'est promis ça que Jésus lui-même l'y a fait. Nous allons lire ensemble Apocalypse 14, verset 14. Nous allons lire les titres qui sont utilisés pour capable décrire Jésus et lors de son retour sur terre. Et selon vous-même, pour qui s'agit d'utiliser titre pour parler de Jésus. Apocalypse 14, verset 14. J'ai regardé et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et bien, nous, les gens, utilisons thème ça qui c'est fils de l'homme. Et Jésus plutôt utilise le thème ça, qui c'est Fils de l'homme, pour parler de propre tête li. Et nous jeune expression ça, Fils de l'homme, 82 fois et dans les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus répète parole ça pendant 82 fois pour capable parler de tête li. C'était une titre préféré Jésus. Li utilise comme étant une expression d'affection. Pour capable identifier avec nous-mêmes en tant que humains, c'est un sauveur qui comprend nous, qui connaît attention nous et qui traverse des épreuves même bien ensemble avec nous. Lycée petit l'homme et bien qui vient pour amener nous à la maison. Jésus ça qui vient pour capable sauver nous, c'est lui-même qui te vive dans mitan nous. Li qualifié pour capable racheter nous parce qu'il était devenu l'un d'entre nous. Et pourtant, et
Même Jésus avec nous, il a affronté toute fureur, toute tentation Satan. Et bien sûr, eh bien, il a remporté victoire. Malgré Jésus tenté, même Jésus avec nous, il connaît des épreuves, même Jésus avec nous. Mais heureusement, Jésus est victorieux. Jésus pas de chambre péché. Et l'autre question que nous avons dans l'étude aujourd'hui, que nous apprennent les versets suivants de Matthieu sur Jésus, fils de l'homme. Qui savait c'est ça, il apprend nous sous Matthieu et verset Matthieu, il apprend nous sous Jésus et qui c'est le fils de l'homme. Allez, Matthieu chapitre 16, verset 27. Car le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Dans le texte, Matthieu chapitre 24, verset 27 et 30. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Dernier texte, c'est Matthieu chapitre 25, versets 31 et 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Remarquez quelques éléments communs en dedans par ça et ça. Quelques éléments qui sont communs. Nous avons trois éléments qui sont censés communs en dedans par ça. C'est que premier, Jésus, le Fils de l'homme, vient dans la gloire avec ses anges. Nous voyons Jésus qui a venu eh bien, dans la gloire avec les anges. Lion. Deuxièmement, il exerce un jugement. Il sépare brebis avec bouc. Et troisième point commun, c'est que destin eh bien, et nation yo, et toute l'humanité. Libéral décidé pour l'éternité. C'est-à-dire ces trois points ça nous relevé dans le texte nous sommes là. Premier élément c'est que Jésus le Fils de l'homme est venu dans la gloire avec les anges. Deuxièmement c'est un jugement côté qu'il va séparer brebis avec bouc. Et troisièmement c'est que destination yo, destin toute l'humanité libéral décidé pour l'éternité. La réflexion que nous gagnons pour journée. Pensez avec thème ça, qui c'est Fils de l'homme, et à ce qu'il dit de l'humanité de Christ. Bien que Christ lui-même c'est Dieu, mais il fait le vivre même ensemble avec nous. Ok? Mais contrairement à nous-mêmes, Jésus n'a pas de péché. Ok? Qui merveilleuse espérance, ça lui-même lui offre nous, en thème de connaissance de l'amour de Jésus, et puis le fait que nous connaissons qu'il est capable de comprendre, lutte. Lutte nous yo et ben nous la victoire. Ok? Qui merveilleuse espérance ça offre nous en termes de connaissance de l'amour de Dieu qui est pour nous-mêmes et plutôt pour nous connaître qu'il est capable comprendre lutte nous yo et ben nous la victoire. Nous tapons ensemble, jeudi, le retour du Fils de l'homme. Eh bien, nous sommes Jésus, les gars pour le retourner dans la gloire. Nous sommes Jésus gain pour l'exercer un jugement. Et nous avons Jésus gagné pour que il est capable de décider qui est-ce qui a gagné la vie éternelle et qui est-ce qui a séparé complètement ensemble avec lui, c'est-à-dire qui a perdu pour l'éternité. Béni soit Père des cieux pour soyez dans la vie nous et pour ça encore au compte pour nous. Aidez-nous, au Père, pour que nous soyons capables, qu'au retour de Jésus, fait parmi des brebis. Pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Aidez-nous, Père, quelles que soient les circonstances de la vie, pour que Dieu nous capables de fixer sur nous-mêmes et que ça leur va venir. Nous ne gagnons pas avec nous dans le royaume. Bénis-nous, sauvez-nous, qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, monsieur, tous amis, bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.